doigts des étoiles, on cherche inutilement à déterminer l'emplacement précis dans le ciel de Notre-Dame du désespoir. Pour lui adresser cette prière, une autre journée fondue au noir et cette existence passée comme une fusée, on a du mal à comprendre où on a pu trouver le temps et le moyen de s'emmerder. Au bout des lèvres du tabac incendié, on tourne un rond en suivant des comètes que l'on prend trop souvent pour l'étoile du Nord. Et Notre-Dame de tabagiste, qui nous protège du cancer, regarde passer du haut du ciel cette vie qui dure le temps d'un cri à la lune. À la lune. Perpétuelle et autres futilités comme la lune sur laquelle se concentre le tir croisé des poètes qui se maudissent l'un l'autre. Mais Notre-Dame des loups-garous connaît par cœur la différence entre le hurlement des sirènes et le cri d'amour des ambulances. À la lune. La lune. C'est la lune. Les ambulances. Je vais t'envoyer une carte postale ou mieux. Je vais essayer, je ne sais pas si à ces putains d'endroits pour mais il y a de boîtes aux lettres normales ou à ma whisky si tu mets ta main. À l'intérieur, la transforme en bouquet de fleurs. Et voilà des fleurs pour toi. Et c'est bien la première.